Télé Anacaona, Radio Télé AC, Delva Calcio Bomboul, nous retournons après pause là, mesdames et messieurs. Nous avons suivi TV Sport avec votre serviteur Delva Blanc. Nous avons très rapidement dans le développement d'information. Haïti, Mexique, match de vie ou de mort, tant pour Haïti que pour la formation mexicaine, jeudi soir à compter de 10h dans le cadre de la deuxième journée contre CACA féminin. Monterrey 2022. Après, on défait 3-0 contre les États-Unis dimanche passé. Sélection nationale là, gagne rendez-vous avec la victoire jeudi soir face à la formation mexicaine. On est capable de dire même situation pour le Mexique, qui était tombé dans le premier match li, face à la Jamaïque. 1-0, on était pour un plus gros saut que le Mexique. D'autant plus nous avons joué contre le plus gros adversaire dans le groupe là, qui c'est les États-Unis. Il est passé nous 3-0. Donc, Mexique prend 1-0 seulement dans la Jamaïque. Eh bien, demain soir, à compter de 10h, c'est pour la rencontre des perdants entre Mexique et Haïti. Nous avons équipe haïtienne face à la meilleure sélection du football féminin mondial. Nous pas ridicule. Du tout, même si nous perdons 3-0, mais nous avons raté 3 occasions claires et nettes côté nous capable de faire goal. En témoigne, première occasion, ça dans la 6e minute de jeu, la tête de Kitna, lui, qui passait légèrement à côté des buts gardés par Kessi, la portière de la formation américaine. Nous songeons également face à face, Coventina face à Kessi, Coventina raté dernier geste de cheveux. Alors qu'elle définit une crasée défense équipe américaine. Non? Et ça ne pas oublier le pénal manqué par Rose Lobojla à la 41e minute de jeu. Donc, si nous arrivons à concrétiser une ou bien deux dans trois occasions, ça y est, à coup sûr, nous sommes capables de mettre la formation américaine en échec. Malheureusement, nous tombons 3-0 au final et Alex Morgan a réalisé un doublé, 16e et 23e minute de jeu. Tandis que la Jamaïque, j'en nous dit tout à l'heure, est tombée. Alors, Jamaïque a battu Mexique 1-0. Donc, demain, si Dieu veut, à compter de 7h, États-Unis pourra jouer contre la Jamaïque. Match pour la première place du groupe. Tandis que, à 10h, Haïti pour aller jouer contre le Mexique. L'équipe mexicaine n'a pas semblé y trop en forme. Puisque pour ça, Noël te remettre devant Jamaïque là, nous sommes son équipe qui prenable. Et si nous sommes capables de rejoindre force morale, force technique, force physique, c'est sûr que nous sommes capables non seulement belle opposition, mais pourquoi pas remporter les 3 points de la victoire face à la formation mexicaine. Rendez-vous cassé jeudi soir à compter de 10h Mexique Haïti match de vie ou de mort. Gapil question que internaute yo pose et jeudi concernant le 11 de départ du sélectionneur Delépine. Est-ce que coach là pourra aligner même 11 qui était commencé face à l'équipe américaine? Non, on a parlé là de Larco qui est en bagol là, qui a gagné Ketna lui constant et puis surpris Whitney Mathurin l'image Shirley jeudi et par la suite de gagner Melchidael Dumorné, alias Corvendina, sans oublier Pacheba lui, Nerilia Mondésir, alias Nerigol, et puis Rose Lobojla, qui était dans pointe attaque sélection féminine. De toutes les manières, nous pouvons en mesure pour nous dire qui changement que coach Delépine pour le poté pour mon match ça
Mais il y a un pile observateur qui estime que le coach de l'Épine a dû faire un passé mais légèrement dans 11 de départ face à la formation mexicaine. Rendez-vous jeudi soir à compter de 10h. Haïti, Mexique, match extrêmement important tant pour la sélection haïtienne que pour l'équipe mexicaine. Et une autre fois encore, tout Tizéboul, tout Joe Canel, quel que soit côté nous, en nous mettez voix nous ensemble pour nous crier haut et fort, Grenadier à l'assaut, Grenadier à l'assaut. Bonne chance, bon succès à la sélection nationale féminine. En nous rapidement, font-ils parler de championnat élite là, qu'après reprendre droit le 10 juillet prochain, si Dieu veut, avec deux matchs boules à l'affiche au football club Sharks de Gariboville à compter de 4h et puis à 6h, Delray pour affronter l'équipe Pompanois dans le cadre 4e journée, première édition, championnat élite organisé par Radio Élite Internationale. Donc, assez rendez-vous à tout Tizéboul, tout Joe Canel, dimanche 10 juillet prochain, si Dieu veut, reprise, première édition, championnat élite. Et puis, une nouvelle qui fait couler beaucoup d'encre en Haïti, c'est l'arrestation de l'ex-ministre des Sports. On a parlé de Vance Lescoufleur, arrêté à Porto Rico le 2 juillet dernier, mesdames et messieurs, pour viol sur mineur, abus sexuel et atteinte à la pudeur. Il y a un mandat d'amener qui était émettre contre Vance Lescoufleur. Eh bien, M. Pat répond à convocation commissaire du gouvernement Lafontaine et Lescoufleur te prend la poudre d'escampette. Il t'a cherché M. Couché en fou et finalement, il a mis la patte sur ancien ministre là, à Porto Rico. Et c'est Jodia que Interpol rapatrie M. Haïti. Pour le moment, ancien ministre là, trouvé lui en garde à vue dans le DCPJ pour lui prendre une question. Et M. Dame de CPJ, avant de présenter devant juge naturel. On avance avec information. Nous allons parler maintenant de Dukens Nazon, le duc de la sélection nationale haïtienne. Dukens Nazon changé d'air. Dukens Nazon quitté Kevin-Liouan Métropole et signé un contrat jeudi avec un club bulgare du nom de CSKA Sofia. Ce club bulgare là, Sofia, qui était publié sur le site internet, qui était l'annonce, bien entendu, de la signature de Dukens Nazon. Un peu plus tard, Dukens Nazon a posté sur le compte Facebook, mesdames et messieurs, message ça. Merci pour tout. Merci aux fans à jamais dans mon cœur. J'ai rencontré des personnes merveilleuses durant cette aventure. Je ne vous oublierai jamais. C'est propos à eux que Dukens Nazon publié jeudi à sur page Facebook li, une façon pour le confirmer départ de Kevin-Liouan à CSKA à Sofia de la Bulgarie. Nous souhaitons bonne chance, bon succès à Dukens Nazon dans la nouvelle aventure là. Même Jean Notifel pour Franzi Pierrot. Nous connaissons qui quitté Ligue 2A en France, qui a joué pour le moment en Israël dans Maccabi Haïfa. Nous avançons et toujours avec information, mesdames et messieurs,
pour nous rappeler au 10 juillet qu'a venir là. Bon Jean boule créole, boule haïtien natif natal, c'est du côté de West Palm Beach. Et puis pour notre Miami Beach, notre Miami, Miami Gardens, Miami Shores, non, moun ki dans zone Little Haiti yo, mais un gros rendez-vous captain nous dans performing at theater dimanche 10 juillet à compter de 7h du soir, 5e édition soirée lumière qui gagne comme sous-titre une autre thérapie. Dans occasion ça, Palmis Production de Jean Gadi bien-aimé a présenté 4 derniers bijoux réalisateurs haïtiens à succès. Il y a un meilleur réalisateur cinéma haïtien, pour ne pas dire meilleur réalisateur là. Eh bien, 4 films ça pour le projeter dimanche 10 juillet prochain si Dieu veut. La femme de Sabala et son ami Michael, femme source de vie, on se marie pour la vie. Enfin, Jésus, le protecteur béni. Tikeyo, en vente, ça fait quelques temps sous Eventbrite. Mais si tu as besoin, un ticket, Kounia même, ou capable de taper 305-206-0022. C'est seulement $30 Tikeyo, mais si tu as aimé, si tu as un VIP, et posté avec pléiade de superstars qui pourra défiler sous tapis rouge, eh bien, au capable de réserver un ticket VIP ou $100. Pas oublier, numéro de téléphone pour les Kounia pour réserver le ticket à 305-206-0022. Sous tapis rouge, également, il y a toute dernière information concernant ce qui a passé dans le monde sport là. Ou capable, suivez-nous sur Facebook. Abonnez à la page Facebook Téléana Kaona. Mettez un like, un commentaire pour ta TV Sport. Ou capable de rejoindre nous également sur YouTube. Abonnez à la chaîne YouTube d'Elva Kaldi-Bomboula. Rejoignez-nous également sur Twitter, Instagram, TikTok. Sur Haïti, ou ka suivre Chosa sur Radio Télé AC 103.5 FM stéréo et Channel 28 sur Orlando, où on est déjà c'est 38.5, Port Saint-Lucie 11.3. Et si vous avez intégré Gobas Boule d'Elva Calcio sur WhatsApp, là, vous pouvez juste vous un texte pour nous à 305-206-0022. Vous êtes branchés.